وين في دي تولي انت كيساك نغال درون نعطيك كي تحبس تسجيلت اسنقذ تو غدو غالك يسوطون ماينوث يشدن غان فراني نكير يدي لنا سنكير نو ريفيرندوم في من داوت من زمان سمير نو ذافو غاتزايرين لا دغا ثمن داوت نتبون شن قريحه سكين محنولين تمغلين دكتور سعيد سعدي اشكو يفاد يشوف هذا كي ينظر غير تكني دوك تشوف ثاني نس الفيسبوك اسمه ياس دو او مور زاغور غير الحيض سيني نحت نصلض انك كمال امارين اصلا انت كي ساك موين ازوف لك كمال ازول رشيد ازول لك راه تقول اكمل ذا شوت ثغورين ثسر ثانت الدكتور سعيد سعدي سلد نو ريفيرندوم كي يدي لنا سنة كي مازما كي دينا سونيت سي كوا لا لكتور بوليتيك دو دكتور سعيد سعدي او لوندومان دو ريفيرندوم رشيد سعيد سعدي يخدم كاس نسمي ستروميت ان تكست لاكونيك سا فو دير كي لا دي بو دو مو مي كيف تقول ان كينا سي كوم بلوس اون انكيتود اي ايوا اشي ديفرون فير فير ريفيروندوم الكونتكست خاطر دكتور سعدي ديجا يخمنسا ادريسيس يخمنسا يهضرت في طول بارتيسيباسيون الريفيروندوم يند باللي سا ديباس با 6% il a dit il n'a de selon ses sources fiables belli le taux de participation à l'échelle nationale jamais été à 6%. Il a parlé bien sûr il n'a de belli c'est pas la première fois de la fraude, il a parlé de, justement de du gaspillage et de la rapine institutionnalisée pendant le mandat de Bouteflika et justement Anit Djebed il n'a de belli c'est le triple Wayne dépenser l'Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale. Il a parlé du capital symbolique, justement, Annie Medili, d'année d'Ekemen, Ithmurth, après justement tout ce qui a été comme détournement, gaspillage et destruction, le capital symbolique le 1er novembre à Chenchimelnas. Donc, il a parlé aussi de l'impasse. Et Anid nous fait maintenant devant le chaos ou la transition. Et donc, justement, il a parlé aussi du détournement de toute initiative, des concepts, par exemple, le cas de la transition en Israël, le pouvoir pourrait la détourner. Où il fait d'un bien, justement, d'ouverture, après l'ouverture, la pseudo-ouverture démocratique en 1989, ni de après les événements en 1988. Il a parlé justement de cette question-là de possibilité de transition. Le pouvoir pourrait là aussi détourner. Et oui, Darant fait une trame de la Kabylie, année justement, je veux dire, de la radicalité. Voilà, Rachid Sader Soumata, Rachid Diyoussen, يكتين سعيد سعدي سوى سومتا ذا شو زمرات أدنشم سلد جليد دتاي فين يعنان يهضرد في لي رسورس زومان إنك تستيريليزي سسوا بار ليكول أو النيبوتيزم أو ليكزيل دونك يكفات جوستمون إنك بلي إنك يدنا نيلي le gaspillage nilien pendant la gestion Bouteflika qui devenir trois fois le budget ce qui a été alloué dans le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale voilà donc quand j'ai de soumettre la chute du sein que le texte on peut dire laconique du sein sur le site Sadi qui est difficile pour grise juste après le référendum du 1er novembre. A quand Kamal que tu hawash qui كان في القويض يعني ديلان بوريس كي يورا دكتور سعيد سعدي السكين 3 نوفمبر ذا جوسف ثيري نسن فيسبوك سنح كان يوثي وث نزوين كان سيني مو يسمى لامباس اذي
إلا وذاب ويكي أتزيري يكي رمانيس محصال لكن قران يعوق شاي خدم أقتس يا محمد أقتس ساقتك لا أقتس دي كان أو يفن عدين إذا كمال أمشي دي سهم دكتور سعيد سعدي أعوقكي نغلام باساكي Justement, Rachid Sali, il a parlé d'un danger imminent. Ça veut dire, vu la situation, et surtout, justement, avec l'absence du chef de l'État, sa maladie, son transfert à l'Allemagne, donc c'est possible que le scénario de Bouteflika, Bouteflika depuis 2003, la peur du CFKLK, elle ne peut plus gérer. Donc c'est pour ça, Thoura, à midi, on est déjà dans le post-boon, ça veut dire déjà, vu déjà, le résultat est différent, 23%, parce que ça a la capacité de frauder, de donner un chiffre plus important. Le chiffre, il fallait le lire. Tellement la fraude toujours stylée, le résultat est différent, il faut le lire, il faut essayer d'interpréter qu'est-ce que ça veut dire. Donc, le chiffre de 23%, le pouvoir, principalement, bien sûr, c'est l'armée qui distribue et qui donne cette carte-là. Je pense que c'est pour affaiblir justement le pouvoir de Boun, parce que le référendum, il va de Boun et d'Issaouj d'une constitution, pêche justement de se libérer de Widek Naditi Win et pour dire, les voilà, je suis représentatif, j'ai acquis une certaine légitimité à travers le référendum. Et pour revenir en force sur le terrain et se détacher un petit peu, parce que c'est clair et net, c'est le candidat Nguyen Salah. Donc, et Widek Ntoura, ils mettent le hal justement, ils veulent l'affaiblir. En même temps, c'est comme si aussi pour justifier Bli, on est déjà dans l'après-Tiboun. Donc, il faut s'attendre à d'éventuels chamboulements. De la scène politique nelzaïre. Donc c'est pour ça que ça a dit justement, il a parlé du péril qui guette l'Algérie est grand et imminent. Ça veut dire que vu la situation, vu la révolte, le degré de rejet du système, l'absence justement de légitimité, vu les conditions, ça soit socio-économiques et dans tous les secteurs, on peut dire c'est le signal rouge, on peut dire, et donc il y a un danger. Et c'est pour ça, justement, ça dit, le régime est dans une impasse, et que il y a deux choix. Bien, il y a les temps comme possibilité, ou bien c'est le chaos. Gamin Abderrouh, véritable transition démocratique, justement, c'est Yoon, il ou Gen Toubilou, et Wakin Thortenzer, a dit Abderrouh, justement, dans le régime obligatoire, ni Nabli, le pouvoir est d'exploiter des solutions proposées par l'opposition pour la contourner et lui donner une autre signification et la déformer. Et justement, c'est pour ça que, justement, la question de la transition, par exemple, Adabul Zahir, il mérite de dire oui, l'opposition, mais il a choisi, il mérite de dire oui, selon ses intérêts, qui n'a rien à voir avec la véritable transition démocratique. Donc, justement, ça a dit, Adabul Zahir, tout sens sa capacité, justement, de polier l'opposition sur Widek Nilan. Justement, Nilan à chaque fois, Taufned, Tiririyin et les crises de Nizmiri, qui fait justement un bien, les événements 88, Annie, ça a parlé d'ouverture empoisonnée. Ça veut dire depuis 89, soit disons qu'il y a eu cette pseudo-ouverture, et Karakhtina Dessaotan et l'impasse Ntoura. Donc, la crise Ntaïch Ntoura, il n'est pas c'est parce que justement, il y a eu la fausse ouverture. Une ouverture empoisonnée et d'ailleurs justement Annie le fait que Kifen l'agrément
ils fissent, ils font l'agrément et les islamistes, alors que normalement la Constitution interdit l'octroi d'agrément à des partis à base religieuse, donc islamistes, mais nous, Nibran Adabul Zayer, il reste justement la donne islamiste, Bachat Dikim, et d'ailleurs, nous avons d'achitoui, Touarit Itmour. Akar Rachid, soumettez-vous, je vous m'aiderai à faire ce que c'est. تنميث كمال ضغى دكتور سعيد سعدي راح يدي نو سقسي انك ساتي دي نيغ كي دي ناس فرانسيست انك لا لوسون اتيل ايتي انفان تيري دونك تمسيفت وسن ميلا دمن سكا ادميتو دافو اتزيري نار مازال ذا شو غادي نيس كون شتكي كمال سعيد سعدي ذاك يرد تيريريتي وسقسييز ذا شو تيريريت كي ترسر يند بلي إن يأ بلو دو بلاس بور لي ديجيفيرساسيون اي لي دوني ميزور او بيان يسقد يروح يون فيري فيريتابل ترانزيسيون ديموكراتيك ادير سيون الوغان نتوكدوت انشلاق نيغ نيغ تسمى توجور ذاك مل اميدي توجور ذاك مل كتواغيف البريكولاج بوليتيك qui s'est installé depuis 62, ça veut dire qu'il utilise le changement. Donc, Issaïd Sadi, il doit le blier. Soit une lettre mourtoura ou nizmir et des petites mesures du bricolage, il a créé justement vers de véritables solutions en associant de véritables acteurs politiques qui peuvent justement sortir le pays de la crise nilan. Ou à dire au Yéwen, à dire au Yéwen, ce qui est sous-entendu à Dersi ou Nakel Khal, Fugdouth, Inkmtla. A Karachid, la chose m'a été dit de manière simple. A Kamel, Tanmir, Tasksi ou Sarvara, Thura, Docteur Saïf Sadi, Imslaid Rafmouth, Lakveil, Isradam, Kakin, Sin Wawalens, Francis, Wugadaki, la radicalité de la Kabylie, un chèque qui s'est dit Tegaran en Ovresis, où il faut un ordinaire. ذا شو إذا سيرم من دكتور سعيد سعدي؟ justement سعيد سعدي après justement le rejet du référendum يكتمنات القبيل سعيد سعدي justement il est بلي le mode d'expression qui a été utilisé نستخدم يكتمنات القبيل de manière radicale parce qu'il y a eu un rejet on peut dire de manière pacifique, même si on a assisté, on a vu dans quelques régions des émeutes. Donc là, l'affrontement hier des jeunes avec la police. Il y a plus de la provocation pour justifier le rejet des élections et en même temps pour aussi pousser pour justifier l'arrestation d'un certain nombre de manifestants. Donc, Saïd Sadi, il n'est pas lié. Il a yuwen et diction tim sirin fait une l'expression de la Kabylie, cette radicalité-là. Et justement, lorsqu'on est dans la radicalité, c'est là vraiment la véritable notion de révolution. C'est-à-dire, c'est greulé ou le zmir, il va être exprimé en dehors de la radicalité. C'est-à-dire, il faut être radical réellement au fond. Toute révolution exprime, je veux dire, un mode d'expression de radicalité. Donc, ça m'a dit que avec un caractère pacifique. Et c'est pour ça que justement, la Kabylie qui fait de justement la radicalité. واحد الكوراج اني ويد جوستمون يون في سويعت نتعش ثمور ثورا اكتويلمون يناد بلي الكوراج افيك ليكيل دوا اتر ابريوندي لا سيكونس ديسيسيف كو في لا ناسيون اي رشيد جوستمون في سقسيك نتني بلي ذا شو ذا سيرم سعيد سعدي جوستمون يناد بلي الفو اسبيري كو بور اون فوا il sera entendu, c'est-à-dire la voix de la Kabylie, cette voix de la radicalité, décide, on peut dire, de traduire le message. C'est-à-dire,
نزمري ديكسيون دون سيت مانيير ديكسبرسيون دو راديكاليتي دو لا كابيلي يوكن جوستمون ادياويون ان شونجمون يتمر في الجزائر وامريكي وكاين دانت باللي الى ميم ثيمنات نيتون سا سوزون تون باللي ثيمنات نيتون تمر في الجزائر وي جوستمون كيلز ادوب جوستمون لو بروسيدي دو لا كابيلي يوكن جوستمون ديرو حيون réellement vers un changement radical. Donc, il y a Rachid Dachou, justement, et Saïd Saadi, ni Ferré, ni Ferré, qui soit entendu, justement, en haut lieu, justement, à Dero Hiyouan, un véritable changement et l'instauration d'une véritable démocratie. يمكن اول قبل خاطر من دياز ريون رشيد لو كومبا د لا كابيلي دوبي 80 بور دي كيستيون ديموكراتيك زمسناني باللي ثمرت القبائل اللي ويد جوستمون اسي تحسيون خاطر اللي تي ا لافونغارد دي كيستيون ديموكراتيك دي كيستيون لينغويستيك دي كيستيون دي ليبرتي دي كيستيون دو لوم دونك نزمير ادنر اول نيولان ابن في الصح وين روح حد نتحس ويديك نيلان الدور نتا وغيث إثمورث. تنميث كمال سقسي قبل أن قاموا نوالا مستنكي ضغا إضلين وساكيلا ضغا إلحا ووالا كان من قارس فرانسيس دي ريمر بقزطان تمتين أذكين دافون بوكنا قتاس دعني أتاني يبغى دي روح مدود حماوش يوكنين دي سلحون أني من قارس ثالث نتوكيث نهار ان بيريود دو ترانزيسيون دونك باش هاد النظام فين اشتكي انا كمال اي واحد حال تريد دير يون ثيريتي وسقسي يعني شدن الى ريمر خاطر لي ريمر ترى ونزراره يتمرت الجزائر توتي بوسيبل تو لي سيناريو سون بوسيبل خاطر حمروش ديون ان انفون دو سيستيم ديون لان temps en temps quelques contributions grimis le watan mais zara bli les contributions ne s'adressent pas aux simples citoyens ils s'adressent au cercle du pouvoir ils s'adressent principalement à l'armée etc ou une tête depuis 91 le fait qu'elle a quitté à la tête du gouvernement à cause justement de sa mauvaise gestion la question des islamistes with On a octroyé des agréments à M. Trebatis, ou d'ailleurs, Hamroche, il était justement l'un des partisans, Wahid Chadli Trebatis, pour l'octroi à des islamistes à M. Fils, à ce niveau de l'agrément, soi-disant pour les domestiquer. Et finalement, ils ont failli détruire Thamourth et Wunzra, les conséquences des milliers de morts à cause justement du fascisme religieux de ce parti fasciste. Donc, c'est pour ça que justement, Hamroche, il a une responsabilité énorme de ce qui se passe actuellement dans le passé de la Et justement, il y a un peu de temps aussi. Et Walid Soufranioun, qui était responsable, l'un des responsables de ce qui se passe actuellement avec Timur par rapport à l'impasse. Donc, c'est pour ça que justement, la carte de Hamroche, je me la parce que pour eux, il ne faut pas oublier que Hamroche, il a cette. C'est un relais avec certains partis politiques. Ils peuvent avoir un certain soutien de certains partis politiques pour jouer, soi-disant, cette carte-là. Mais ce qui est sûr, c'est que Hamroche est un enfant du système. Si on fait appel à lui, c'est pour sauver le système et toujours tourner autour du système. Et rien n'aspire de bon parce que Dion Ilen, il a assumé des postes de responsabilité en haut lieu, donc chef du gouvernement, et il est responsable de l'impasse actuelle. Donc je ne vois pas un mec des Darun à quelqu'un qui a une responsabilité de ce qui se passe actuellement. Donc Arachid. Voilà, les rumeurs, ça peut venir des cercles du pouvoir, ça dépend pour essayer de tester, de voir quelle sera la réaction de l'opinion publique par rapport à cette question. Et Wadi Fabioun, justement, c'est comme si Al-Khadijan, après Tiboun,
C'est-à-dire, c'est comme si Zarambli, l'état de santé de Tebboune ne permet pas de déclencher l'ahkam tant qu'ils sont en train un petit peu de voir quelle est l'éventualité. Parce que on est dans le il des élections, etc. Ça devient un peu dangereux parce qu'il y a un rejet de la part de la population de différents événements qui pourraient survenir. Et sont rejetés par le peuple. تلميك كمال كمال كي نغ ثماوث وزعما إلا توافق ذكون شاكينا غلا هذا بو غاد زيغير من كل ما سانقت وما سانقت هذا بو غاد ديو كي كان يونا كي كان العظيل نا بروفيزوار بو جيني لا ترانزيسيون ورجينا اللي خمسة قبايلين عبد الكرام مذيا كان سيني مذياثن وطول هذا السنة كي لويزا حنون ما كيتفاش الحبس عطاسي تسوسم باش تلقى غيكي تروح على بلاطون تيليفزيون عدد ديال كاين لي بلاطو هكني عندها تحكاد لا بيريود ني يدي بوين سبان الحباسينس مثل ملان تاع التوفيق الزنوال دي تاغيرا جان قايد صالح يزعف باغي يخدم يكون شي يخدم امي وفان دي مانسني كن السيستيم كن ما الا وفان دي مانين ذي الحصيلة كذي لنا كثيرة ما ذي قال ثم تكمل جانا شو دنا أما ذي تلفزيون ثم ذي بستان متسيت هذا عند فنش تكير ثنيك باللي لناز نيغوسيين أنواع أنواع في الدن pour la période transitoire la place ne bouge pas parce que j'en ai ni l'avancée ni ce que je fais le cinquième mandat y a d'ailleurs donc comment ils ont abordé autour d'une table les décideurs ها كلك نو اسميس ودرند زروال ودرند اسميس بن بيتو ودرند علي بن فليس ثورا ما تقول هذا كثر ذا حمروش ذي جمد ذا درنا قبيلي تسمى غورسن فغل قرايسن قبيلي ويحكم فوالا دونك ثكير سي اون كونستونت غورسن تسمى اورجينا فكن غاس ما حصلون جامد فكرة كي يونا ما يش بن سعيد سعدي غاس ولا ما سعيد سعدي يسان يثير ميث مقروف نا يسان سكير ان بو دون لالجيريا نيتي ياكير يبغى تبدل تموت من الجزائر مي جامد خمم كي كيسا قبايلي غاس انفاسي سعدي لي دلونبوزيسيون غاس وين نسن غاس وين الزاخر نسن لا قبايلي جامد غازيان لا مانا مويحيا غا تاكيرا قبايلي بلوس خوصن جامي غادي يحكم غاس دي فاسون ترانزيتوار لا شو تيفريتي بون رشيد في فرات تبان نهضرات دينت ند باللي ثمنت القبائل الى قاس جوستمون يروح فير اون سيرتان كونفيرجونس يوكن يروح فير اون اوتونومي ريجونال كيا دو لارج بروغاتيف توت لي بروغاتيف ابار تو سكي كوم فونكسيون ريغاليان ام لا ديفونس دو لا موني واحد لي زافير اترونجير Le reste, la Kabylie pourrait récupérer toutes ces prérogatives pour gérer, créer une sorte d'un État régional. Je pense que c'est la seule voie si on veut éviter l'effondrement et le chaos qui est mort dans le Zaïre. Justement, l'anticabilisme, malheureusement, il a été alimenté même avant l'indépendance. Depuis, pour moi, l'assassinat d'Aben Ramadan et avec la crise de 49 anti-berbéristes qui sont des Kabyles à Ilan de Fir, quelque part, d'une manière informelle, le président en Algérie ne peut pas être Kabyle. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une ligne rouge, mais juste n'a pas été écrite. C'est-à-dire, il ne peut pas être dit publiquement, mais c'est comme si c'était un consensus qui existe au niveau du Sérail. C'est-à-dire, c'est ça le problème. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que justement, les indépendantistes, ceux qui talabent l'indépendance de la Kabylie, se réfèrent par rapport à ça. Et d'ailleurs, même justement, même le Kabyle Nyeres, ils n'ont pas le droit. D'ailleurs, même Mamid Dihken, je ne sais pas, mais je ne me rappelle pas qui est journaliste. Annie, à ce tour justement, ils allaient mettre Ouyahia
à la place, je pense, de Zerwell ou je ne sais pas, eh ben, il y avait un général qui est monté au niveau de la présidence. Il les a menacés s'ils veulent vraiment placer Ouria, peut-être de Chine. Oui. Donc, à Rachid, c'est clair et net. Cet anti-kabylisme ne peut pas durer. Et il risque justement d'être fatal, Ithmour, et il ne peut pas être admissible. Et d'ailleurs, actuellement, justement, dans cette phase historique cruciale, qui veut vraiment le véritable changement, qui veut l'intérêt du pays? C'est la Kabylie qui a rejeté justement totalement ce simulacre de référendum, c'est comme si il n'y a que la Kabylie qui portait vraiment cette idée de changement et il s'est imposé. Même si c'est vrai, si on va se référer par rapport à Chidina Saïd, c'est-à-dire le taux de participation au niveau national ne dépasse pas 6%, ça, parce que le problème qui se pose, c'est qu'un peu, c'est vrai, les chiffres que nous donne le pouvoir, ils faussent l'analyse. C'est ça la véritable question, Rachid, le problème qui se pose. C'est que lorsqu'on analyse des chiffres qui sont faux, ça veut dire que notre analyse est fausse. Donc, on ne connaît pas la réalité aussi ailleurs, parce que le pouvoir, il nous impose des chiffres qui sont faux, et donc l'analyse est fausse. C'est ça la véritable question. Tant qu'on n'a pas de véritables élections dans la transparence, avoir de vrais chiffres pour faire de vraies analyses. Sinon, actuellement, et d'ailleurs, même si on va se référer même à leurs chiffres par rapport aux 23%, ça prouve que le système est discrédité dans sa totalité. Il est rejeté par le peuple. Donc, on ne peut pas continuer. Et surtout, de véritables dangers, c'est lorsque les caisses se vident, absence de légitimité, on risque réellement au fond d'entrer dans le chaos si on ne va pas anticiper dès maintenant de créer ce climat de confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance, ça veut dire tout peut s'effondrer et on risque d'entrer dans une phase incontrôlable où ça va être le langage de violence on peut dire qui va arbitrer justement ces questions-là de lutte au pouvoir. Donc c'est pour ça que vraiment c'est pour ça que Saïd a dit justement il a parlé du péril imminent et un grand danger pour le pays. Donc à mon avis le texte s'il est court laconique hein, Saïd a dit c'est parce que c'est comme s'il va dire c'est pas le moment de disserter il y a un danger il fallait que j'avertisse la population les citoyens de la gravité de la situation et c'est pour ça que justement il a fait un texte pour que tout le monde puisse le lire. Il est court et direct et aller direct vers l'essentiel sans pour autant rentrer dans la réflexion intellectuelle, mais c'est plus une alerte. Voilà, c'est comme ça que moi je l'ai lu par rapport à son texte. Donc, Rachid. اخ كمال قال وكيد علينا السكسيوان ديالو هذا الشيء كان لازم غاد نجبد سي تا هو ساكي دكتور سعيد سعدي اكد دارني سوغين ان ريفيروندوم كي عندي تموت ني قبالينا سو سون لي دو بوين اسونسييل ان زعما لو بوين اسونسييل بلوتو ان زعما غاد نجبد سي لا كونتريبيسيون كي اكيد ندير لا كونيكي وزيلن دكتور سعيد سعدي بو ساكينا كا Akna Rachid, donc justement, les points de sont importants. D'abord, ou bien, vers une véritable transition démocratique, justement, donc les préalables démocratiques, les principes qui peuvent régir et adopter, on peut dire, un mode de gouvernance réellement de transparence. Et basé sur la démocratie, des valeurs et des principes démocratiques, vers le chaos. Parce que parce qu'il y a un rejet total du système de la part du peuple algérien et principalement un divorce total de la Kabylie. C'est comme si actuellement, la Kabylie, il est isolé il n'est plus connecté. Vis-à-vis du pouvoir central. Donc, la question de la transition, il s'impose. Sinon, vers l'inconnu. Justement, la Kabylie, faut une maturité politique, il ne peut plus accepter le bricolage. Donc,
c'est le la résultant, il cumule des luttes qui remontent à plusieurs années. Donc le la contribution Saïd Sadi, Animet Dinabli, j'espère bien que cette fois-ci la voix de la Kabylie va être écoutée. Et donc c'est pour ça que justement Adi Fahmioum Bli, la Kabylie a exprimé une voix bien sikfra Fougdouf, donc Ibouida Sit Hsiwen. Et donc ça veut dire que dans la phase de transition démocratique, Zmesnani Bli Awel Mdemour Nlokbayel, Ibouid, il va être traduit justement et exprimé justement dans cette phase de transition. خاطر ثمرة القبائل سندد أبريد أم تزمري لي ثقدوث داشي ويدا دي روحيون أدي خميون أخطر إلي على فونغار جسمو دي كيستيون نير ديمقراطيك نير إزافان ومدان أين عنا لدروا دلوم نير أين عنا لليبرتي انديفيدوال نير كوليكتيف الوحيد دان تو ميم طون جسمو ثمرة القبائل أني جسمو سا جسيون ناتوريل دو لا سيتي. Elle est laïque, ça veut dire Thamrat al-Qbayel, séparer déjà la religion, le wahid aïna'an intasarti, et c'est pour ça justement, ta'awad bli, Thamrat al-Qbayel, il s'agit d'un din intasarti, ou le sa'arana amkans, la Kabylie doit chasser toute personne qui ne respecte pas ce principe-là, qui est un principe de la Kabylie, la laïcité. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas de va être un véritable danger. C'est une manière d'islamiser la région et ça veut dire de l'exposer à un danger. On veut, parce que Khatar ne va pas changer l'identité de toute une région. Et ça devient très dangereux parce que la Kabylie est le rempart de l'islamisme, même à l'échelle de l'Afrique du Nord. C'est-à-dire, si ce n'est pas la Kabylie qui résiste encore, qui résiste encore contre l'islamisme, il a presque la région Maranilan, il a l'islamisme et l'obscurantisme. Et donc c'est pour ça que justement, pour un nouveau système arraché de gouvernance, il s'impose la fin du jacobinisme, la gestion centralisée à Derohiyoun vers des pouvoirs de région. Et surtout, sur un plan historique, nous avons une référence à le Congrès d'Assoumam. Ils ont adopté le système décentralisé pour gérer la guerre, donner tous les pouvoirs pour pouvoir gérer la guerre, gérer la révolution, et chacun selon ses spécificités culturelles et régionales. Et c'est pour ça que c'est justement l'esprit de l'Assoumam est toujours d'actualité. Ça veut dire que يوكن نزمر نزمر عاد نكمل عاد نعيش اسناني باللي دون ان كادر دارموني اي دون ان كادر ناسيونال بور اون بو دير كريي اون سيرتان ليزون زعما سني كومينيون يارث مناطين ديال الجزائر الى قا نروح فير ان اوتر مود دو غوفيرنونس سي دادير يالي فير دي بوفوار ريجيونو دونك دوني donner les pouvoirs aux régions وكن نزمر ادمنو الجزائر وزكا نتوغدوث sinon je ne vois pas مكن نزمر يديوف يون تفراتي يغبلان لين جمهور الجزائر parce que justement le fait d'imposer une seule vision alors que la Kabylie s'est distinguée sur un plan sur tous les plans, c'est-à-dire la conception des projets de société تاوي ثمرات القبائل ماشي كيف تفهم امتيك نيطان دونك il n'y a pas d'autre solution en dehors de donner des pouvoirs aux régions, donc d'y aller vers des états régionaux ou autonomie régionale. Mais il peut y avoir un débat, c'est pas un problème كل يوم امشي السماء, mais ce sont les pouvoirs qu'on doit attribuer et qui va justement être le socle
qui va permettre aux différentes régions du pays de cohabiter et de ne pas entrer en confrontation. Rachid, les points les plus importants, le texte de Dirk. ثم مثل كما لك كان يسات جرا ان ان تصلت من فكار نيتا وسكي دي فانا سكي ثلاثه اون فير ان دكتور سعيد سعدي ثاني مسمى دو مور ازاغو غار الحيض كي سيان مليل دي سيليني دي سدونوس نقدر دي نقمه دي ثالوث